semaines, le plus beau jour de ma vie, comme tous les ans. Vive les vacances! Haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain! C'était tard, je l'aurais jamais. Hé hey Yacine, tu chantes pas avec nous la plus belle chanson de l'année? Non, les vacances d'été, moi ça me rend un peu triste. Triste? Les vacances? Bah pourquoi? Mon anniv, il tombe pile pendant les vacances. Pas de copains, pas de cadeaux. Même pas une carte d'anniversaire. Tout le monde m'oublie. Il a pas l'air en forme mon Yacine. Je comprends pas, il a les vacances et en plus il a son anniv, c'est trop bien. Ben si, moi je comprends. Je suis née le jour de Noël et du coup, j'ai pas deux fois des cadeaux. Ah, ah bon? Oh là là! J'ai une idée. On va inventer le Yassiversaire. Un anniversaire de Yacine avant son anniversaire. Un truc pour lui montrer qu'on l'aime. Ah ouais, c'est super, Toto. On peut même lui faire des surprises. Et des interro-surprises aussi. Un cadeau pour Yacine et deux cadeaux pour Yacine. Et celui-ci, il est pour qui? Il est pour moi. Toto, c'est quoi ce bazar? Tu vas me faire le plaisir de tout ranger avant d'aller te coucher. Oui, oui, papa, je vais tout ranger tout à l'heure. Si avec ça, Yacine pense encore qu'on l'aime pas. Ça alors? Une fée est passée? Bien sûr. Il va être super content. C'est génial, Toto. Mais où t'as trouvé tout ça? Dans ta chambre. Et non, Mister Blague, dans ma chambre. Très bien rangée depuis. Prenez chacun un cadeau. Olive, tu lui donnes en proms, moi en deuse, Junior en der. Der, hier un arbre. Bonne idée. On se cache derrière l'arbre et quand il arrive, on fonce sur lui avec les cadeaux. Bah alors? Bah alors, c'est raté. Bah on fait quoi maintenant? Bougez pas. Je vais le trouver, ce sacré Yacine. Et un, j'ouvre et... Deux, je pousse et... Trois, je... T'es devenu fou ou quoi? Tu nages dans la biblio. Mais t'as pied ici. J'ai l'épaule un peu coincée. Je cherchais un livre qui explique comment la décoincer. N'importe quoi. Viens avec moi, j'ai une idée pour te décoincer. Cher super copain Yacine, j'ai une petite surprise pour toi. Ben merci Toto, mais pourquoi? Ben parce qu'on pense à toi tous les jours et que t'es notre centre du monde. Merci Toto. Mais je vois pas pourquoi tu m'offres la figurine Monsieur Incorrigible que je t'ai offerte il y a 2 ans. Et la BD Monsieur Incorrigible que je t'ai donnée. Je suis désolée. C'était pour voir si t'aimais toujours ce genre de cadeau. Enfin, c'était pour te dire qu'on t'aime. Je peux aller aux toilettes, madame? Oui, Yacine. Mais la prochaine fois, tu y penseras pendant la récré. Bah non, la récré, c'est fait pour s'amuser, pas le temps d'aller au WC. Écris vite un truc bien sur Yacine, c'est pour son Yassiversaire. Écris tout ce que tu penses de Yacine. Toto, peux-tu me donner ce papier? C'est la carte pour le Yassiversaire. Mais si vous voulez mettre un mot pour lui... Bon, je te la rendrai à la fin du cours. Tiens, en parlant de Yacine, va donc voir ce qu'il fabrique. Ça fait un moment qu'il est parti. Tétard, tétard. Allez Yacine, tu prends ton souffle et tu vas l'avoir, ton tétard. Bah Yacine, qu'est-ce que tu fais? Si t'as soif, t'as qu'à boire au robinet.
Rien. Je testais l'étanchéité de mon bonnet. La dernière fois, je suis revenue de la piscine avec les cheveux tout mouillés. Ouais. J'ai peur que t'aies déjà attrapé un rhume de cerveau. Allez, viens, Mademoiselle Jolibois s'inquiète. Yacine, mon ami, avec les copains, on a réuni toutes les belles choses qu'on pense de toi. Yacine, tu es le plus mignon des garçons. Yacine, tu es le meilleur défenseur en foot et en éléphant, parce que... Défense d'éléphant. Yacine, tu es le meilleur en copiage. Yacine, tu es le meilleur copain de moi. Merci les copains. Mais enfin, pourquoi vous me collez comme ça? C'est gentil, mais je peux me débrouiller tout seul. Ça te plaît pas? Tout ce qu'on fait pour t'aimer? Si. Mais j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Mince alors, il aime pas qu'on l'aime. Oh, j'ai une idée. On se retrouve au square tout à l'heure. Bah, où est Toto? Surprise! Alors voilà, on change de stratégie pour le Yassiversaire. On passe à la grosse fiesta surprise. Oh, génial! Faut trouver une excuse pour l'inviter. Avec un méga cadeau, genre un sac à dos de 30 kilos de billes. Et un méga gâteau. Pour l'inviter, on n'a qu'à dire qu'on révise les maths avec Igor. Ah ouais, super le cadeau. On révisera les maths. Mais non, Igor, ça c'est l'excuse pour faire venir Yacine. Le faire venir chez moi, je suis sûre que papa sera d'accord. C'est parfait, samedi prochain à 15h, on fait le Yassiversaire surprise à Yacine. Ok les copains? Ouais. La grenouille tend ses pattes avant, replie ses pattes arrière et d'un coup elle pousse. Et un, et deux, et trois. Yacine, à table. Et la grenouille nouille. Oh yeah. Samedi, je l'aurai cet étard, foi d'Yacine. Voilà, tout est prêt. Il ne manque plus que le héros du jour, Yacine. Olive, tu l'as bien invité? Oui. Samedi, 15h. Il devrait pas tarder. Je crois qu'il fait vraiment la tête, pas la fête. Je suis peut-être allée trop loin. Ça signe chez Yasson. Allô, c'est Toto? Non, c'est pas une blague. Quoi, Yacine est à la piscine? Au revoir, madame Yacine. Il est à la piscine. Bizarre. Papa! Tu nous emmènes à la piscine, s'il te plaît? Oh, s'il te plaît, s'il te plaît! C'est la nif de Yacine. Bon, d'accord. Ouais. 1, 2, 3, la grenouille. Allons, Yacine, ne perds pas ton souffle. Je te rappelle que c'est la troisième fois que tu passes cet étard et que je passe mes samedis à la piscine pour ton rattrapage. 1, 2, 3, la grenouille. Allez-y, les monstres. Super pas, merci pas. Bravo! La traversée des 25 mètres est réussie. Il te reste l'épreuve ultime. L'épreuve du fond de la piscine. Mais niveau tétard, c'est juste là où t'as pied. Retrouver même ici? Oh non, la honte. Bah, il est où Yacine? Chut! Il passe son tétard. Yacine, champion du monde du tétard. Un peu de calme s'il vous plaît. Yacine,
J'ai l'honneur de t'annoncer que tu viens de faire exploser le record d'apnée en piscine. Niveau tétard. Ouais! Tu passes directement Triton! Ouais! C'est gentil d'être venu pour mon tétard, les copains. Tiens, c'était prévu pour ton yassiversaire, ton anif surprise avant les vacances. Mais ça sera pour ton tétard Triton. Merci. Grâce à vous, j'ai finalement pas eu peur de mettre la tête sous l'eau. Attention, photo les enfants! Allez, serrez-vous un peu! Serrez-vous un peu, vous aussi, Madame Gossin, vous aussi. Encore un peu, oui, voilà, attention. Ah, attendez. Ah, attention, attendez. Ah, ah, ah voilà. Ah, ah, oh. Dis, Toto, t'as même prévu un clown pour mon yassiversaire? Oh, sympa.